cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Paula, émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Centraca, Centre de traitement capillaire, Centraca Clinique pour les cheveux, Centraca Produits pour les cheveux, Centraca École Cosmétologie. Donc, je dis à notre émission, hein, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Ça, tout le monde concerné, grand monde, filles et garçons concernés. Bon, avant que nous présentions l'invité qui passe de présentation, nous allons commencer par la pensée de la semaine. Si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais. Laisse-les croire que tu dors. Docteur Franz Lage, c'est notre invité aujourd'hui à l'émission Bien-être et Beauté. Avec Dr. Franz Lage, nous allons parler de l'impact en écran, ordinateur, téléphone gagné sous yeux moun que moun yo fait, que tout le monde censé faire abus de lui-même. Dr. Franz Lage, nous disons bienvenue dans l'émission, nous bien content de regagner encore parce que nous sommes habitués de l'émission Bien-être et Beauté. Et moi-même tout, Léonie, ça fait un plaisir que nous l'avons aujourd'hui. Oui, Dr. Franz Lage. Et un sujet comme ça, moi, l'aime annoncer au sujet, ça t'intéresse en pile. Est-ce que j'ai des cas concernant la clinique parce que nous allons recevoir un pile dans la clinique? Bon, le premier point qui est important pour nous dire, c'est que le sujet du computer, de l'informatique, n'est pas interpellé seulement au niveau de l'ophtalmologue, le médecin des yeux, mais il est interpellé également en tant qu'ancien président de la Chambre de commerce, ancien membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Haïti et ancien membre du centre de facilitation des investissements. Pourquoi? Parce que Haïti se trouve à un carrefour où, pour vraiment, nous avons chance pour que nous, non seulement nous sortions en hier, mais pour nous rattraper la République dominicaine, disons dans 25 ans, il faut un taux de croissance vraiment soutenu. Et un taux de croissance soutenu, ça ne peut être apporté que par le secteur tertiaire. Le secteur primaire ne peut pas, le secteur secondaire, ce sera très difficile. Donc c'est le secteur tertiaire. Et là, on a parlé du secteur tertiaire, on va parler de commerce, on va parler de tourisme, on a parlé des branches liées avec l'informatique. Pourquoi? Parce que c'est dans l'informatique, dans les sciences de l'intelligence, que le rapport investissement sur plus-value est le moins élevé. En d'autres termes, pour peu d'investissement, ou bien plus de valeur ajoutée. Donc, c'est la raison pour laquelle le sujet ça a toujours intéressé moi. Je dis que même au niveau international, le docteur Lage, c'est peut-être Yun Moon qui fait plus de littérature sur le sujet de l'ordinateur avec les yeux. Donc, il y a un document sur ça. Oui. Nous ne pouvons pas entrer, si vous voulez, dans tout le détail pour une raison très simple, c'est que il y a des bails spécifiques. Que ne pas le voir public l'entrée là-dedans parce que il risquait pour le bousiller le computer. Il y a des bagages pour manier, vous comprenez, et en principe c'est un monde qui connaît le computer pour nous adresser le problème ça. Par contre, nous avons des bagages assez simples et que nous sommes capables de partager avec le public de Telestorm. Et nous sommes sûrs qu'avec bagages ça, non seulement il pourra le protéger les yeux, mais en même temps, il pourra augmenter l'efficacité au niveau du travail. Parce que grand pile moun qui yo sent yo fatigué après yo fin travay et sous ordinateur et gade le même ou fin travay sous ordinateur c'est trop formal ou pas capable encore gade le c'est dormi ou envie de dormir et gade le tout que performance sous computer pas ça que ou t'as supposé gagner. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que on travaille sur un sujet pareil et les yeux et l'ordinateur. Son travail qui gagne sa raison d'être et particulièrement dans le pays dans lequel nous vivons. Ça veut dire document du gain, son livre sorti sous rapport. Nous faisons pile travail au niveau du congrès et non seulement et nationaux, congrès de la Société haïtienne d'ophtalmologie, mais également au niveau de congrès internationaux,
au niveau de la littérature que nous partageons avec l'American Academy of Ophthalmology. Si on a besoin de documentation, ça, qu'est-ce que ça peut faire? Non, ce sont des documentations qui sont pour le corps médical et surtout le corps ophtalmologique. Ok, mais qui n'est pas accessible à public là? Non, non, parce que ce sont des informations qui sont destinées à un public médical. Mm-hmm. Tu vois, mais par contre, ma pensée pour moi préparer un document. Mm-hmm. Avec des conseils, pas seulement pour le computer, mais des conseils pour les yeux en général, que éventuellement nous sommes capables de proposer à Livre en Folie. Dans quel cas, c'est sûr, Léonie, mm-hmm. ou à premier. Mon cap gagne livre. Et oui. Peut-être que vous avez un stand partout, parce qu'on ne sait jamais, on doit présenter un bagage sur le capillaire. Non, moi, c'est un livre que vous avez dit, un livre qui est censé finir écrit, mais qui peut aller. Qui pour... Allez, eh bien, on nous courir, moi m'avais au bon caguette à la Livre Folie. Oui, parce que Livre Folie, c'est pour quelques mois. Bon. C'est mois de mars, quoi. Non, c'est en juin, qu'il a été confié. On aura le temps si ton livre est déjà. Donc, je ne vais pas songer d'acter Livre Folie. Hein. Oui. Normalement, docteur, on a parlé de impact, ou bien rapport qui gagne avec utilisation rapprochée quotidienne que mon gagne à coordinateur, sous yeux mon qui ça mon comme problème yeux que l'on utilise ordinateur constamment ou bien téléphone et tablette etc tout gadget électronique qui impacte directement sous yeux maintenant. Bon, grand pile parle, on parle en pile sous computer, on dit des rayons dans computer, c'est pas vrai. Mm-hmm. Les problèmes que donne le computer, on peut les résumer ainsi. Mm-hmm. Premièrement, les problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle le glare. Mm-hmm. Glare, c'est un mot anglais et en français, nous disons contraste. Mm-hmm. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la sécheresse oculaire. Mm-hmm. Il y a d'autres problèmes qui sont liés à un problème de fatigue du muscle ciliaire. Mm-hmm. Et il y a d'autres problèmes qui sont liés aux maux de tête. Mm-hmm. Donc, nous sommes capables et peut-être résumer les problèmes que peut donner le computer dans ces quatre grands chapitres. Mm-hmm. Problème qui lié glare, mm-hmm. n'est-ce pas? Glare, ça veut dire contraste. Mm-hmm. Et problème qui lié avec monde qui gagne sécheresse, les yeux absèques. Mm-hmm. Problème qui lié également à la fatigue du muscle ciliaire. Fatigue du muscle ciliaire, nous allons expliquer ça lié. Mm-hmm. Et problème finalement qui lié au maux de tête. Donc, dans ces quatre chapitres, on peut résumer, n'est-ce pas, et la plupart des problèmes qui sont liés et à l'utilisation du computer. Est-ce que mon n'a pas un problème sécheresse là d'abord et puis pendant la utiliser ordinateur il vient compliqué ou bien c'est pendant la utiliser computer hein, que il vient un problème sécheresse ça c'est qui ça? On commence par sécheresse là, s'il vous plaît. On commence pour comprendre ce que c'est que la sécheresse oculaire, il faut comprendre le mécanisme des larmes. Les larmes sont produites par des glandes qui sont dans la paupière et parmi ces glandes, les plus importantes, ce sont les glandes de Meibomus, parce que c'est un certain Meibomus qui était découvert. Mm-hmm. Donc, les glandes de Meibomus sont au niveau de la paupière, mm-hmm. ça nourrit les paupières. Mm-hmm. Et il y a produit un liquide qui est tombé dans les yeux. Mm-hmm. Et ce même liquide va être absorbé, n'est-ce pas, et à ce niveau, par les ponctilles lacrymaux, il va le passer dans le canal lacrymal là, et l'évacuer par les narines. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle, et parfois, on a un et que par eux alarmés et yo menon ti moun lan yo di que ti moun lan gen des problèmes n'est-ce pas et jul tout a rouge ba sa yo mais son petit bébé la on dit pas la plupart du temps mais dans un grand nombre de cas ce problème est lié tout simplement au fait que ce conduit lacrymal n'est pas vraiment perméabilisé. Ça arrive chez les enfants. Mm-hmm. Donc parfois c'est uniquement un massage nous des parents yo pour le faire au niveau de là le coin du là. Voilà. Donc ça c'est une parenthèse. Mais pour nous retourner dans le problème et yeux secs, les sécheresses oculaires, eh bien, c'est quoi? La sécheresse oculaire est due au fait que, en principe, vous supposez battre yeux. Et c'est chaque fois que vous battez yeux, il y a un mécanisme qui fait l'utilisant non seulement l'humidifie les yeux, mais en même temps, il nettoie les yeux. Et on a remarqué que lorsque vous regardez le computer, vous ne pas battre yeux ou à fréquence côté supposé battre. OK. Donc c'est la raison pour laquelle grand pile monde qui travaille sur le computer et après ça, il va venir plein de ce qu'on appelle un wash qui a brûlé dans yeux. Un wash qui a brûlé dans yeux.
C'est ça. C'est ce que nous appelons nous-mêmes en ophtalmologie de foreign body feeling, c'est-à-dire que la sensation de corps étranger. Mm-hmm. Tu vois? La sensation de corps étranger est due précisément au fait que, comme et l'œil n'est pas nettoyé, il n'est pas humidifié suffisamment pour ça, parce que du fait de fixation que vous avez fait dans le computer. Il est limité avec battement des yeux. Voilà, les battements des yeux ne se font pas à fréquence que tu as supposé faire là. Donc, ça qui va arriver pour lui-même, c'est que les yeux pas le sec. Donc, il est capable d'arriver même au niveau encore plus grave que les yeux quand même rouges. N'est-ce pas? Et bon, côté bah, cas compliqué encore, c'est si malheureusement, on va le faire tes yeux. Mal photosio, bon, les gens doivent irriter qu'on est. Vous transformez mon problème en problème encore plus grave. Non, même au niveau de la cornée, soit frotter, les gens ont une abrasion cornéenne. Et côté cap encore plus grave encore, c'est côté que malheureusement, on peut faire ce qu'on appelle l'automédication. C'est-à-dire que on sait que le monde, il peut arrêter ou un tel monde, le docteur te bat un remède et puis au bétel. Alors que par contre, pour qui ça, docteur te bat un remède là, vous comprenez ça, monsieur? Ou bien là, il a acheté ton bagage qui doit vraiment là donner de sérieux problèmes. Donc, et la sécheresse oculaire, donc c'est un problème. Et où tu as posé une question tout à l'heure, où tu as dit, est-ce que si son monde qui te gagne déjà, bon. Quel que soit le cas de figure, même chez un enfant, si vous n'avez pas suffisamment, vous avez un problème. Maintenant, ceci est vrai qu'il y a certains états. Bon, le plus marqué, c'est l'âge. À partir de certain âge, et la sécrétion des glandes de Meibomus se ralentit, comme la sécrétion de toutes les glandes se ralentit en général, et vous avez un problème, sécheresse déjà. Mais il y a de l'autre problème et pathologie qui est d'abord la sécheresse oculaire. Par exemple, il y a le syndrome de Sjögren, n'est-ce pas, qui est une cause également de sécheresse oculaire. Il y a beaucoup de conditions associées, par exemple le rhumatisme, tu vois, qui peut être associé à la sécheresse oculaire. Donc c'est tout à fait normal et logique que si déjà on a une condition préexistante et mettre sous l'écouteur même là ou sous le computer tout le temps, eh bien, il est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, pour gagner un problème ça et que un problème ça en état encore plus avancé. Donc, et en principe, sécheresse oculaire, là, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème? Eh bien, pour remédier à ce problème, la première chose à faire, c'est de temps en temps essayer de faire un petit campé. Fais mes yeux pendant un certain temps. Quelques secondes, fais mes yeux pendant quelques secondes. S'ouvre tout avec les deux. Et chose deux doigts, font un petit massage, n'est-ce pas, au niveau des yeux. Très doux. Pour faciliter que. Voilà, exactement. Parfaitement. Bon, je sais qu'avec ta spécialité, le mot hydratation n'est pas un inconnu pour toi. Oui. C'est pour faciliter l'hydratation. Et ça ira mieux. Maintenant. Si le problème est encore plus compliqué, il y a certains produits, n'est-ce pas, que l'on peut mettre qui peuvent permettre l'humidification de l'œil. Et oui, il est mieux pour aller au ophtalmologue pour ça parce que il y a des produits qui vont out of the counter. Vous comprenez qui est capable bon. Mais moi-même, ça me peut, c'est que. Bon, je ne sais pas si c'est un autre bagage qui est plus grave qu'on gagne. C'est ça. Donc, et, par exemple, la visine, on peut mettre de la visine, tu vois. Il y a d'autres produits qu'on peut mettre également. Mais si vous voyez que ça continue, il vaut mieux aller voir un ophtalmologue pour voir s'il n'y a pas un autre problème. N'est-ce pas un petit peu plus compliqué? Fabien, nous t'ai dit que non, j'en ai parlé là, on t'a dit qu'il y a 4 bagailles qui sont capables de lier, qui sont capables de faire des problèmes avec l'utilisation prolongée. Oui. Nous parlons de sécheresse oculaire. Nous avons besoin de tourner pour nous parler, pour nous développer 3 autres points. Oui, alors les 3 autres points, pour rappeler aux téléspectateurs, le premier point c'était le glaire, que nous appelons en glaire en anglais et n'est-ce pas contraste en français. Le deuxième point c'était le problème de fatigue du muscle ciliaire, je suis fatigué. Et le troisième problème, le problème de headache, n'est-ce pas, le problème de migraine. Le migraine de céphalée, pour être plus. N'est-ce pas, et orthodoxe. Donc, on a commencé par le problème de contraste. On a fait une petite pause, on a tourné. Avec le plus grand plaisir. On a fait une pause, on a tourné. Restez branchés, docteur a tourné. Mes amis, attendez, une bonne nouvelle. Centre Calouvi, yon l'école cosmétologie, nan niveau international. Dans Centre Calouvi, l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à tant aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie.
comme nous tout compte allié déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis cheveux abrachés, yo cassé, bote tout calé, puis cheveux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séboré, si span gaspillé là, j'en passe par là, passé sans perdre temps dans Centraca, vinn faire examen pour cheveux. Centraca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca a un appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par l'Institut américain de tricologie. Centraca l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h à 5h dans Delma 31 rue Jacques Premier. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraca c'est la solution. Relais 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraca pour une chevelure à fière allure. Nous bien contents de retrouver nous après pause ou ta wap suivre émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Pas oublier nous une émission supportée par Centraca, centre de traitement capillaire, Centraca produit pour les cheveux, Centraca école cosmétologie, une école de standard international. L'école a déjà démarré, retardataire déjà en retard. Donc, et n'a pas rappelé, n'a profité moment ça pour nous remercier tout le monde qui était rendu fête Centraca yon réussi, qui c'est le troisième dimanche mois novembre que nous avons fêté chaque année. Nous avons fait la foire du bien-être parce qu'elle était alliée entre émission et Centraca, parce que nous n'avons pas quitté bien-être là de côté. Te gen vraiment pile moun ki te aide nous réaliser fort ça n'a et vraiment remercier tout moun vraiment qui te fait un effort pour que activité ça te yon réussi. M'a saluer m'a remercier madame Samy Laporte, équipe Matin Caraïbes, Blondine Zénith FM, toute équipe et Zénith là, Nathaël Buto, Mirline Jean-Baptiste, Febe Escarmet, moun sa yo soit yo te aide m jeune artisan, soit vous t'aidez pour faire lien pour moi pour les émissions radio, télé, etc. Donc, je profite de moment ça pour me remercier. Et je profite tout pour remercier Dr. Holden Célestin qui était vraiment en back-up. Il n'est pas dans le premier plan, mais vraiment en back-up pour réussite, logistique, activité. Faites Centraca, pas oublier ces 5 ans institution légale. Comme institution légale, Centraca a fêté 5 ans là. Normalement, qui t'a supposé en 22 novembre, mais nous fêtons le week-end, qui fait que nous fêtons, nous pas fêtons le jour pour jour, mais vraiment, nous avons tout qu'un bel date ça, rendez-vous, foire du bien-être à Centraca dans Delma 31, chaque troisième et dimanche, mois de novembre. Et nous avons rappelé tout le monde qui est intéressé à ce séminaire, nous, séminaire Centraca programmé, nous avons un séminaire 6 décembre, qui c'est tes cheveux. Nous avons 1er février qui c'est traitement cheveux et nous avons 29 mars qui c'est séminaire sur maquillage et 6 juin coupe coiffure. Tout même qui est intéressé, séminaire ça c'est $70 pour une journée de formation complète théorie plus pratique. Vraiment c'est 98% pratique, 2% théorie pour nous capable sortir avec un certificat qui capable aider nous travail, augmenter et clientèle nous, augmenter business. Dans l'émission aujourd'hui, on a parlé de rapport, utilisation, écran ordinateur, téléphone, tablette, capable de gagner sous yeux nous. Sous la première partie, on a parlé de yon problème ni capable ba ou, sécheresse. Donc, ou capable de sentir les yeux sèches, docteur et Franz l'a invité nous. L'a développé et l'autre partie pour nous dans l'émission. L'autre problème. On peut mettre une petite parenthèse quand même, parce que tu as parlé tout à l'heure de 22 novembre qui est anniversaire. Mais enfin, un rappel historique pour les téléspectateurs, 22 novembre, c'est un autre anniversaire, tu sais. C'est l'anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Ah, et 22 novembre 1963, et à Dallas. Et moi-même, je suis à Dallas, je suis exactement à côté où dit que Lee Harvey Oswald était campé pour te tirer Kennedy, et puis bon.
grand pile thèse qui fait tout bail ça, il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, c'est un autre bagage. Il y a même des gens qui disent ça. Il n'y a pas arrivé en jeune. Pour rappeler aux téléspectateurs que c'est un anniversaire qui a changé la face même du monde, c'est l'assassinat de Kennedy. Oui. Maintenant, pour ce qui est de ce qui nous concerne, et ça pour nous comprendre dans le computer, c'est que on regarde le computer devant, même si on regarde la télévision devant, mais au fond, en réalité, ce n'est pas une image fixe liée. C'est-à-dire que c'est comme si on a deux conseils de flash que la baille. Vous comprenez? Et moins que un flash, et moins que liaison faite en différentes images. Tu vois? Et plus qu'il y a flash, plus il y a une sorte d'image continue. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas à l'entrée sur le computer ou parce que je ne suis pas technicien, on ne peut pas garder le computer. Mais c'est une idée de demander à un technicien d'adapter le computer pour vous pour que les gars voient le plus de flash que possible par seconde. Dis ça seulement. Si son technicien la comprend qui j'ai pour le faire. Parce que là, par exemple, il y a 30 par seconde, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Tu vois, la fatigue est dure. Il faut au moins 80 et même plus. Mais quand vous ton ordinateur à l'opposé, pas voler, entre mou. Maintenant, est-ce que c'est des palais qui augmentent la lumière qui gagne sous l'écran? Non, ça c'est autre chose. La luminosité, tout le monde peut faire la luminosité. On va mettre pour disable tout, les gens qui parlent bien, qui ont grossi caractère. Non, ça c'est sans danger. Mais par contre, il y a certaines choses qui sont au niveau du système du computer. Tu vois qu'il y a une détruire le computer. Mais, je suis capable d'ouvrir une parenthèse, au moins, je suis capable de dire à un technicien, je suis capable de mettre un bail pour vous. On a dit, bon, pour avoir une meilleure performance, dans mon set et computer, pour le, le plus de flash par seconde. Plus il y a un nombre de flash par seconde, pas va l'entrer dans la complication, plus et moins la fatigue est. Maintenant, l'autre chose dont nous parlions, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, et le contraste, glare en anglais. Pour m'expliquer, et téléspectateurs, ça qui contraste là, pour un journal, on peut essayer les journal là, on peut le très bien. 6 jours, pas de problème. Mais par contre, on peut le camper à côté de piscine à 1h de l'après-midi, on peut le journal là, on peut rien dans le journal là. Mais précisément, c'est ce qui est arrivé, c'est parce que pour qu'on voit, il faut qu'il y ait un contraste. Et là où on lumière bien tout le bagaille, pas un contraste. Et c'est ça qui arrive au niveau du computer. Là où on lumière qui a frappé directement sur le moniteur, c'est-à-dire sur l'écran computer, on pourra gagner le phénomène du glare. Même Jean, tout à l'heure, où tu as parlé de Simon qui a un problème déjà. Là encore, c'est la même chose. Parce qu'il y a certains problèmes et, que le monde gagne qui rendent nous plus sensibles au contraste. Par exemple, et, au monde qui a un problème de cornée, on va avoir plus de sensibilité à problème ça. Et au monde qui a un début de cataracte. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin. C'est quoi le cristallin? Le cristallin, c'est un organe qui, en, n'est-ce pas, et se bombant ou en se relâchant, sous l'action du muscle ciliaire que nous parlons tout à l'heure, pour permettre la concentration des rayons lumineux sur la rétine lorsqu'on regarde de près. Maintenant, avec l'âge, cristallin pour l'opacifier. Il ne doit pas opacifier dans le stade qu'on a besoin aux opérations chirurgicales, mais il doit commencer à opacifier. Et il y a l'autre pathologie qui est capable de provoquer bagaille ça. Par exemple, et nous toujours parlé, nous étions sous Bisgouna et dernièrement, nous parlé de Mounio, et pas quitter une femme enceinte jouer avec chat. Pour ça, parce que l'on femme enceinte jouer avec chat, il est possible que l'enfant, n'est-ce pas, ait une pathologie qu'on appelle la toxoplasmose qui peut donner entre autres la cataracte. Déjà, cataracte congénitale, tu vois. Et il y a d'autres pathologies qui peuvent contribuer à la cataracte, n'est-ce pas? Problème, n'est-ce pas, de hypercalcémie, n'est-ce pas? Problème de hypoglycémie, problème de diabète, grand pile de symptômes, n'est-ce pas? La liste est infinie, n'est-ce pas, de problèmes qui peuvent donner cette opacification du cristallin. Maintenant, donc ce problème, comment pouvoir, n'est-ce pas, et combattre ce problème? Comment pouvoir composer avec ce problème? Bon, de toute façon, il faut nous utiliser l'ordinateur. Voilà. Premièrement, nous sommes capables de retarder
l'apparition de la cataracte. Okay. Faut pas oublier que la cataracte est causée en grande partie et du moins est encouragée, est excitée par les rayons ultraviolets, surtout les A. Et je songe pour l'éclipse solaire, par contre ça pour me défaire, j'étais dans toute télévision, j'étais dans toute radio pour m'expliquer que communiquer malheureusement que l'autorité était paraît et même que grand pile station qui était paraît, il était faux parce que les rayons solaires qui donnent les problèmes, ce sont pas les rayons ultraviolets, ce sont les rayons infrarouges, sont l'autre bagaille. Et nous t'ai parlé de ça nous-mêmes, nous songe. Oui. OK. Et donc les rayons ultraviolets, ce sont ceux qui viennent au-dessus de 120, n'est-ce pas? Et rayons ultraviolets, ça y est, en meilleur agent pour capable quoi, c'est avec des lunettes comme celles que je porte là. Tu vois, ce sont des c'est pas une lunette soleil, c'est lunettes protectrices contre les rayons ultraviolets. Il n'y a pas seulement lunettes soleil. Au contraire, comme nous le disons souvent, rayons lunettes soleil, là, doit, et lunettes noires, ça, les lunettes noires, elles doivent causer plus de mal que de bien. Parce qu'au cas où nous avons protection. Non seulement ça, mais elles créent ce qu'on appelle la nuit artificielle. La pupille se dilate et il y a plus de rayons qui peuvent entrer dans les yeux. Ah oui, oui. Comme si vous avez l'impression que l'effet fait noir, il a fait effort pour le. Donc il y a plus de rayons. Donc au contraire, au lieu qu'on va soulager le problème, on va compliquer le problème, là, parce qu'il y a plus de rayons ultraviolets qui affectent la rétine. Oui. Donc, et maintenant, et donc déjà ça, on peut retarder, n'est-ce pas, l'apparition de la cataracte avec les rayons de bonnes lunettes protectrices contre les rayons ultraviolets. Maintenant, le phénomène du glaire en lui-même, il y a plusieurs manières dont on peut se protéger. La première chose, c'est que faut pas jamais qu'on lumière derrière qui frappe sur le moniteur. Le moniteur, c'est qu'un computer. Oui. Parce qu'il peut le refléter sous les yeux et il peut le bailler le phénomène, n'est-ce pas, du glaire. Et de même, ou pas jamais l'on travaille sur le computer, ou pas jamais supposer qu'on lumière qui est en face. Okay. Même bagaille, la frapper sous les yeux. Donc, la lumière, c'est mieux d'être à gauche de vous. Si vous êtes gaucher, il y a à droite de vous, n'est-ce pas, si vous êtes droitier. Donc ça, là, ça arrive en oblique sur l'écran du computer. Maintenant, l'autre chose. Lorsqu'on travaille et non pièce, et ça m'a dit, il y a très peu de même de cybercafé, même de bureau qui observaient ça. Lorsqu'on travaille sur le computer, le computer n'est pas supposé dans une salle qui a des murs blancs. Ok. Pour qui ça? Parce qu'on connaît que le blanc renvoie la lumière. Blanc, vous voyez la lumière. Et il n'y a pas qu'un peu de lumière. Donc, il vous voyez sous écran computer ou bien il vous voyez sous yeux. Okay. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est même. C'est même, n'est-ce pas, il y a une raison qui fait que, on est que tous les hommes viennent d'Afrique, qui sont suédois, qui sont finlandais, tout le bagage, c'est-à-dire tous sont d'origine africaine. Mais il dit que à partir d'une certaine époque, les Africains arrivent en Europe, eh bien, ils vont venir adapter, n'est-ce pas, parce qu'en Afrique, il y a un pile de lumière, et en Europe, pas grand pile de lumière et pas grand pile de chaleur. Donc, c'est là que vous parlez de blanc précisément, parce que côté couleur noire, son protection liée en Afrique, dans les pays chauds, mais dans les pays qui fait chaud, c'est plutôt un désavantage. Okay. Tu vois, donc c'est pour m'expliquer au bagage là. Donc, ou pas d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, quoi, tout parler en pile d'affaires des noirs blancs, c'est son connu au superlatif, parce qu'au fond, je fais des études génétiques, je vois que tout le monde vient de l'Afrique de l'Est. Tu vois? Maintenant, l'autre chose, maintenant, c'est que les murs. Ils ne sont pas faits pour un blanc, c'est ça? Non seulement ils ne sont pas faits pour un blanc, mais il est conseillé qu'ils soient de couleur froide. C'est quoi les couleurs froides? Vous avez étudié, lorsque vous étiez à l'école, et le spectre des couleurs. Le spectre des couleurs, c'est violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. N'est-ce pas? Au-dessous du violet, c'est le ultraviolet. Et au-dessus du rouge, c'est le infrarouge. Infrarouge, précisément, qui est rayon qui va le bon problème, le regard du soleil. Donc, il est mieux que les murs soient de couleur froide. Couleur froide, c'est quoi? Violet, indigo, bleu, vert,
n'est-ce pas, jusqu'à jaune, mais ouvert plutôt foncé. Oui. N'est-ce pas? C'est mieux. Maintenant, et sous nos pièces qui gagnent des. Mais mon yo gitan dans mettre en dans bureau yo bien dans un espace de travail li off white non mieux. Bon. Est-ce que ça fait poser maintenant problème? Voilà le problème. Écoute, si que ou gagnent et on bon, peut-être moins qu'on boit le repas mieux pour le travail. Si on est capable de faire, on est capable de. Côté où la lumière frappe, on met un rideau d'une couleur froide. Au moins là, on va limiter les dégâts. On va limiter les dégâts. Ouais. Donc, je dis que pour ce qui est de glaire, c'est ça. Maintenant, et je dois vous dire qu'il y a aussi des écrans protecteurs que l'on met sur le computer qui sont des écrans anti-glaire. Malheureusement. Donc, qui sont des écrans anti-glaire. Et nous-mêmes, tout, et nous, les ophtalmologues, nous avons également des lunettes qui protègent contre le contraste. C'est pour ça, moi-même, là, je viens dans la clinique, moi, et, ou bien dans les centres de santé, côté ma travail, et pour me dire, l'arrivée dans le stade, moi, j'ai besoin de lunettes, moi, donc, est-ce que vous utilisez ordinateur en pile? Pour qu'on qui ça pour balayer. Voilà, parce que la personne qui utilise beaucoup le computer, le type de lunettes qu'on doit lui donner n'est pas le même que ça, nous prenons le bail à un monde qui n'est pas tellement sur le computer. Et vers ça, bon, malheureusement, ce sont vers qui plus cher, n'est-ce pas, que les autres, pour ce bon traitement spécial. Oui. N'est-ce pas, ils fait dans vers ça. Je ne vais pas bien entrer dans tout le détail de traitement qu'ils fait là, mais c'est ce qu'on appelle les verres chromatiques. Tu vois, tu as dit qu'on birefringence. Il y a un cancel l'autre là, n'est-ce pas, pour que. Moins un, plus un, plus une bonne chose. C'est plus compliqué que ça, n'est-ce pas, pour que nous capables de maîtriser problème de, ce problème, n'est-ce pas, de contraste. Donc, pour résumer, n'est-ce pas, au niveau du contraste, les précautions à prendre, premièrement, prémunir la cataracte autant que possible en mettant des lunettes protectrices contre les rayons ultraviolets. Deuxièmement, pas mettre une lumière en face ou ni dans dos. Ni dans dos. En face ou pour ne pas frapper nos yeux, ou dans dos pour ne pas frapper le computer. Je dis tout que les verres, ça les lunettes, ça et ampoules, ça les fluorescents, les mieux et supporter que ampoules et normal. Oui, beaucoup d'après c'est tout le monde. Normal, il y a bagaille. Vous comprenez? Et l'autre bail que nous avons dit autour, c'est que les murs ne doivent pas être blancs et il y a mieux que ce sont des murs de couleur froide. Si vous êtes capable de faire des murs de couleur froide, n'est-ce pas, un rideau qui côté que le poil flashé pour le protéger. Et finalement, et les écrans de computer, si vous pouvez, c'est conseillé. Et autrement, les ophtalmologues peuvent et vous faire avoir des verres spéciaux pour la protection contre le contraste. Donc, nous appelons ça des verres anti-glaire. Oui. Nous développer deux points, pas vrai? Yeah, nous manquons deux. Nous manquons deux. Nous proposons ça tout de suite. Mes amis, attendez, une bonne nouvelle. Centre Akalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans Centre Akal l'école cosmétologie, et stage pratique nan pays à tant pour États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même dans Delma 31, Rue Jacques Premier à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Akal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis cheveux abrachés, yo cassé, peut-être tout calé, puis cheveux sensibles ou gain cap ou gen psoriasis, ou gen séboré, si span gaspillé là, j'en passe par là, passe sans perdre temps dans Santraka, vin faire examen pour cheveux. Santraka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Santraka gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Santraka l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h AM à 5h PM dans Delma 31 rue Jacques Premier. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Santraka c'est la solution. Relais 31 53 55 39 43
06 42 85. Centraca, pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après président. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission supportée par Centraca École Cosmétologie, les supportée par Centraca Produits pour les cheveux. Quel que soit côté en Haïti, on y fait 31 53 55 39. Ou bien 4306 4285 et puis dit dans qui zone nous n'a qui koto ka jeune produit acheter qui tout près la caillou. Donc si mes sous gon problème spécifique ou gon problème cheveux, ou peser dépenser l'argent. Par contre qui ça pour mettre nos cheveux encore, vinn font diagnostic capillaire, on a passé cheveux dans appareil ultra moderne pour nous ba ou solution à problème que gagne. N'a annoncé public là que traitement au laser là est disponible dans Centraca depuis dimanche passé. Donc c'est bonne nouvelle pour le public là, nous lancer traitement au laser là pour tout le monde qui ont problème qui était désespéré, surtout monde qui a problème à alopécie, surtout alopécie cicatricielle ou bien alopécie androgénétique. Donc nous là avec dernière technologie pour en Haïti, pas besoin aller dans quel autre pays étranger pour aller prendre un traitement au laser est disponible dans Centraca. N'a pas rappelé date séminaire et 6 décembre c'est séminaire sur traitement cheveux, sur tes cheveux. Et 1er février, séminaire sur traitement cheveux. Et puis 29 mars, maquillage. Et 6 juin, coupe coiffure. 1er décembre, c'est l'équipe pour là. Sous besoin qu'on fait test pour cheveux pour capable diagnostiquer ouais qui problème cheveux client a gagné ou même qui gagne salon de beauté. Venez dans le centre à Canaba où une journée de formation pratique avec loupe physique et puis avec appareil et pour capable détecter problème et cheveux clients. Jodi an émission Bien-être et Beauté n'a parlé de problèmes qui baillon inconfort avec yeux nous, les nous utiliser ordinateur, téléphone trop. Dans deux parties émission sous raté ou capable reprendre yo dans reprise ou bien aller sur Facebook ou bien sur Twitter et sur YouTube ou taper émission Bien-être et Beauté, ou jeune toute émission que nous fait déjà qui pral sous un an et demi là qui disponible sur YouTube pour capable garder sujet qui intéresse là. Nous parlons de petites pratiques simples pour faire, pour capable limiter les dégâts que l'ordinateur a. D'après ça, docteur Franz Lage, qui s'est invité, nous dit nous, pas peinturer mieux en blanc. Si vous en blanc, vous n'avez pas de possibilité pour repeinturer, mettons un rideau de couleur froide. Et puis, pas quitter. Côté lumière frappée. Hein? Côté lumière frappée. Côté source externe de lumière frappée. Exact. Les finis, pas quitter lumière ni devant ni dehors. Mettez la droite ou sous droitière, à gauche ou sous droitière. Ça veut dire, mon petit Jean apprend là, dans l'émission. Docteur Franz Lage, avant que nous t'avons parlé de... Un compliment, ou déjà dans les heures, c'est oui, merci. Formidable. Oui, docteur, il y a des gens qui couchent dans la cabane, toute lumière éteinte, il y a des chats à monde sous téléphone, ou bien sous ordinateur à travail, ou bien à regarder la télévision pendant que les lumières sont éteintes. C'est qui conseille, qui impacte, qui s'est passé? Bon, il ne faut pas le faire trop, tu comprends, mais bon, regardez le, c'est ça. C'est qu'on s'en a dégagé, vous comprenez? Maintenant, vous songez que nous t'ai parlé de deux problèmes. Nous t'ai parlé de problèmes sécheresse oculaire et nous t'ai parlé de problèmes podcast. Donc, il y a deux nous t'ai manqué. C'est le problème de la fatigue. Bref, parce que nous presque. La fatigue du muscle. Et vous pensez, nous ne pouvons pas couvrir. Et ben là, mais la fatigue du muscle ciliaire et aussi le problème, n'est-ce pas, de la céphalée. Ou bien faites côté un petit genre rectifier un petit peu bas là parce que la céphalée c'est pas la migraine. C'est pas la migraine. La migraine c'est une pathologie mais on le dit n'est-ce pas en langage plus ou moins courant migraine j'ai migraine. Maintenant dans le monde médical là on sait bien que d'ailleurs, la migraine c'est moitié. Migraine en principe sont beau tête là. Depuis que c'est toute tête là ça veut dire pas déjà non, ou déjà pas dans migraine. Migraine sont beau tête là lié et effectivement, les concepts de pathologie ou pathogénie et, n'est-ce pas, ont une thérapie bien particulière. Oui. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, à ce qui nous concerne, la fatigue du muscle ciliaire, c'est quoi le muscle ciliaire? Eh bien, là, on va regarder de loin. Mettons que, pour simplifier les choses, on sont monde comme Simdado, que longueur yeux a normale. Donc, vous êtes hémétrope. Lorsque vous regardez de loin, il n'y a aucun problème, les rayons lumineux se forment directement sur la rétine. Et l'œil est au repos. C'est la raison pour laquelle, là où on a marché dans un caille qui a vu, il est plus cher. Parce qu'un caille, comme c'est un dado que vu, c'est
mur en face de l'oison. Mm-hmm. Pourquoi ça? Parce que l'homme garde de loin, le muscle ciliaire est apaisé, mm-hmm. est au repos. Mm-hmm. Parce que vous regardez à l'infini et les images se forment directement sur la rétine. Mm-hmm. Maintenant, plus vous regardez de près, plus, n'est-ce pas, ce que fait l'optique me comprenne, ça se forme derrière la rétine. Donc, comme il est formé derrière la rétine, pour capable, il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de l'accommodation. C'est mm-hmm. quoi l'accommodation? Mm-hmm. C'est précisément le muscle ciliaire. Le muscle ciliaire, ça, il peut agir au niveau du cristallin. Mm-hmm. Le cristallin, ça va le bomber. Et là, ça, l'image, là, pour être capable de focaliser sur la rétine. Seulement, plus on regarde de près, mm-hmm. c'est plus le muscle ciliaire à fatiguer. Mm-hmm. Parce que c'est un muscle ouais. et le muscle se fatigue. Mm-hmm. Donc, l'on est-ce que c'est lui-même qui a un impact que mon avis peut-être fait mal là? Est-ce que c'est même nerf qui est sous tension et muscle c'est l'une des causes possibles, okay. n'est-ce pas, de la céphalée. Ok. Mm-hmm. N'est-ce pas? Et ça, on appelle ça la céphalée oculaire, son type mm-hmm. spécial de céphalée. Mm-hmm. Oui. C'est spécial de céphalée qui pourrait le manifester, n'est-ce pas, et à la lecture, mm-hmm. parce que l'on appli c'est même pas à tout. Mm-hmm. Parce que l'on appli l'œil se fatigue, mm-hmm. l'on regarde sur le computer, l'œil se fatigue. Et lorsque l'œil se fatigue, et vous pouvez avoir différents problèmes, mm-hmm. n'est-ce pas, problèmes oculaires, vous avez les yeux à boulot, vous avez même senti que l'apprêché, mm-hmm. et vous avez senti également et un mal de tête. Maintenant, quand quelqu'un qui a plié et qui a dérangé l'eau coulée dans le oui, exactement. Ça, c'est la ça peut également donner, n'est-ce pas, et la tearing, la lacrymation, n'est-ce pas, mm-hmm. L'hypersécrétion mm-hmm. et lacrymale. Mm-hmm. Maintenant, il y a quelque chose d'important. Mm-hmm. C'est là où est allé quand on docteur, mm-hmm. et parfois c'est pour un docteur, lui, vraiment. Mm-hmm. Mais la prise qui est lunette, mm-hmm. bon, c'est comme ça. Ou dit que on besoin de lunettes mm-hmm. pour cali, mm-hmm. pour marcher et pour cali. Mm-hmm. Donc, la plupart du temps, on vous donne ce qu'on appelle les lunettes à double foyer. Comme celle-là. Ce sont les lunettes à double foyer que tu as. Mm-hmm. Bon, les lunettes, attention, il y a un progressif tout, c'est pas la même bagaille. Progressif. Mais c'est autre chose. Tous les deux. Non, lunettes à double foyer, c'est-à-dire que il y a un segment supérieur pour regarder de loin ou un segment inférieur pour regarder de près. J'ai l'impression que pendant les plus. Il y aurait tiré trace, là, gomba, il y aurait fait. Ça, c'est différent. Ah, okay. On peut avoir des verres à double foyer et invisibles, okay. pas une partie inférieure, mais on peut avoir également des verres progressifs. Ah, ok. Là, on va parler de verres double foyer. Pourquoi ça, on va parler de verres progressifs mm-hmm. parce que vrai verre progressif, là, mm-hmm. et en général, nous-mêmes, là, nous, bah, verres progressifs, nous, tout, bah, les transitions et anti-reflets, les chers. Mm. Les chers. Regardez ce fait que vous faites, mais vrai verre progressif, là, malheureusement, les chers. Mm-hmm. Donc, le verre à double foyer, il a dosé mm-hmm. partie inférieure mm-hmm. pour la lecture. Mm-hmm. Et la lecture, en principe, c'est 33 cm. Okay. 20 pouces, 33 cm. Mm-hmm. Donc, là où il y a bon, ou bien des verres de lecture, mm-hmm. ou bien des verres à double foyer, mm-hmm. et ceci est très important que le segment inférieur, là, il a dosé pour 33 cm. Okay. 20 pouces. Le problème, c'est que lorsque vous prenez ce qu'on lui dit ça, mm-hmm. et que vous êtes un utilisateur de computer, mm-hmm. et un utilisateur, mm-hmm. c'est-à-dire profuse user, c'est-à-dire qu'on est sur le computer à tout le temps, tout temps oui. ben, vers lunettes n'a pas fait sens. Okay. Parce que les trop faibles pour segments. Mm-hmm. Segment est supérieur à lunettes, là, mm-hmm. trop faible pour lui. Mm-hmm. Mais segment inférieur est trop fort pour lui tout. C'est chargé. Parce que la distance au computer, en principe, est de 50 cm, mm-hmm. pas de 33 cm. Mm-hmm. De 50 ou de 55 mm-hmm. ou de 60 cm. Mm-hmm. Pas de 33 cm. Mm-hmm. Ah, c'est détail, c'est technicien. Yo. Non. On y a même les moules, les problèmes dans l'allée. Eh c'est parce que ça m'a dit, vous comprenez, vous avez. Vous font ou n'importe qui a des lunettes à double foyer, mm-hmm. mais il faut que ce soit un ophtalmologue qui s'y connaisse, mm-hmm. qui est capable et capable d'expliquer mm-hmm. que ou utiliser computer en pile. Mm-hmm. Ouais. Là, ça, il y a des lunettes spéciales pour bas où. Et mm-hmm. lunettes, ça, d'une part, font l'anti-reflet à cause du problème que nous avons parlé mm-hmm. tout à l'heure. Mm-hmm.
mais également anti-glare, anti-reflet, mais également faut que lunettes soient capables de composer avec la distance de travail qui n'est pas la distance de travail de la lecture. Oui. Ceci est très important. C'est très, ça veut dire être deux lunettes mon une pour bon, le travail sur ordinateur. Il y a différentes possibilités. L'une des possibilités, ce sont les verres progressifs. Les verres progressifs, contrairement aux verres à double foyer, ils sont adaptés suivant la distance de travail. Le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est adapté à verre progressif. Il y a des leurs et ou même mon verre progressif, verre très cher, tout le bagaille, on dit qu'il y a un problème, il y a plevé tête une série de bagailles. Tu comprends? Maintenant, et le mieux, si on est capable, ce serait carrément d'avoir des lunettes, n'est-ce pas, pour le computer. Tu vois? Mais je vais vous expliquer. Il y a une autre chose qu'il faut faire lorsque vous avez des lunettes pour le computer. Donc, ceci, voilà, et donc, on a fini avec bagay et muscles ciliaires. Oui. Par contre, c'est Nam Gintan. Non. On a fini avec bagay et muscles ciliaires, non? Et donc, comment on est capable de composer avec problème ça, de fatigue du muscle ciliaire? Donc, la première chose, comme je vous dis, et bon, lorsqu'on est jeune, et bon, à la limite, et muscle ciliaire, on travaille, on n'a pas accommodé, dans certaines mesures, on est capable de faire. Mais, on est jeune, et pendant que vous êtes jeune, on a ce qu'on appelle une hyperopie. Hyperopie, ça veut dire que l'œil est trop court. Donc, on a il y a 20 ans et en principe, il y a le même effort qu'on va faire avec un mec 50 ans. Ça, c'est congénital, on a fait avec. Oui, il fait avec. Bon, moi, même, moi, je suis hyper métrope. Moi, je suis hyper métrope, tu vois. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux rapidement vous donner des petits conseils, tu vois. Les conseils qu'il y a, je connais un grand pile de monde qui parle rime, mais ça va faire rien. Vous gardez tout droit devant et puis vous vos yeux en l'air, comme si vous avez essayé garder derrière tout. Ou garder à terre, qu'on soit pas à garder n'est-ce pas vos talons, ou garder là qu'on soit à garder les oreilles gauche là et là comme l'oreille droite. Ça soulage le muscle ciliaire. Vous virez du un sens et dans l'autre sens là. Après ça, vous faites les massages, n'est-ce pas, avec les doigts. Évidemment, pour des choses plus élaborées, il y a des exercices là, on est disponible, n'est-ce pas, pour aller plus loin. Maintenant, et donc là, ce sont les petits exercices qu'on peut faire. Bon, l'autre question, je vais oublier. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'utilisation? Est-ce que les gens qui ont un glaucome, qui ont un incident sur les taux? Non, glaucome, c'est l'autre bagage. Ah, ok. Glaucome, c'est autre chose. Glaucome, c'est, n'est-ce pas, l'augmentation de la pression intraoculaire. Ok, ça va avoir un rapport à lecture, ordinateur, utilisation, etc. Ça va avoir un rapport. Bon, c'est-à-dire que la seule chose vraiment, et peut-être, et, si vous avez une hypermétropie, vous avez une prédisposition au glaucome à angle fermé. Si vous avez une myopie, vous avez une prédisposition au glaucome à angle ouvert. Bon, ok. Ça veut dire... Maintenant, ok, ça c'est autre chose. Maintenant, et... Mais ça me l'explique, c'est que l'autre bagaille... On va pas le temps encore. Ah, mais ok. On va aller plus rapide. Donc, on a dit, docteur, que vous êtes un utilisateur de computer à bord des verres spéciaux. Maintenant, nous allons aller dans le dernier bagaille, le problème du mal de tête. Le problème du mal de tête, comme je dis, il y a différents bagailles qui sont et problème et fatigue, monsieur Cilien, dans le cas mais il y a l'autre bagaille qui est arrivé. C'est que, pas oublier que l'on va regarder sur le computer et puis on va regarder le clavier et puis on va regarder l'écran. On va regarder le clavier, on va regarder l'écran. Vous fatiguez les vertèbres cervicales. Et chaque fois que vous faites ça, et que vous faites ça, et que vous faites ça, et que vous faites ça, pas demander qu'on y a même, qu'on a un âge, ou bien on a fait un accident, ou bien on a goumé. Vous frappez et puis vous avez début d'arthrose des vertèbres cervicales, donc ça rend le problème encore plus compliqué. Tu vois? Donc, quand vous faites ça, il y a deux choses qui se passent. D'une part, il y a une compression des vertèbres cervicales et des nerfs cervicaux qui vont, n'est-ce pas, dans la boîte crânienne. Mais d'autre part, également, vous avez également les artères vertébrales postérieures qui passent et qui, dans une certaine mesure, sont également comprimées, ce qui pourra raréfier, n'est-ce pas, et l'approvisionnement du cerveau en sang, et c'est la raison pour laquelle, d'une part, on a des maux de tête, mais également, on a une baisse de la productivité, parce que l'on fait ça, on fait ça, on fait ça, il y a moins de sang qui arrive dans le cerveau, on fatigue plus rapidement, et performance pour ta gagner ou pas gagner. Très bien, une belle émission, donc, qui ça pour faire? Attention, rapidement, qui ça pour faire? Premièrement, cette histoire de taper avec deux doigts, c'est une hérésie. Vous tapez avec deux doigts, Léonie? Avec tous les doigts, vous savez taper. Ça ne m'étonne pas de vous.
n'est-ce pas? Et je suggère à tous les téléspectateurs d'apprendre à taper. Il y a des gens qui apprennent nous taper, il y a des cours de typing et qui apprennent le montrer taper. Donc, on pas supposé garder clavier pendant qu'on travaille. Ouais. Donc, là, ça, on pas fait. Maintenant, l'autre précaution que nous pouvons donner, le conseil que nous pouvons donner surtout pour les secrétaires ou bien les gens qui tapent des textes, il ne faut pas mettre le texte n'est-ce pas, à côté du clavier. Parce que là, vous faites des efforts verticaux avec la tête. Il faut faire des efforts, des mouvements de translation ou bon support et pour mettre texte là et à côté écran. Oui. Encore une fois, si vous tapez de la main droite à gauche de l'écran, si vous êtes droite et gaucher, à droite de l'écran. N'est-ce pas? Et là, vous faites des petits mouvements comme ça et vous tapez, donc vous êtes beaucoup plus soulagé. Oui, vous êtes moins fatigué. Vous êtes là, vous travaillez sur le computer. Docteur Prince Lage. Tout le monde qui t'a aimé. Bon, de toute façon, tout le monde connaît le numéro docteur France là, je vais avouer, tout le monde va connaître le numéro docteur, on va rappeler. Bon, avec si plaisir, besoin de avec contact, plaisir on peut toujours donner des conseils, n'est-ce pas? Et donc, nous avons deux numéros de téléphone. Mon qui est digicel, c'est le 37 13 50 81. 37 13 50 81. Et mon qui est natcom, 43 93 25 92. 43 93 25 92. Digicel 37 13 50 81. Natcom 43 93 25 92. Et nous allons contacter également. Et il y a deux qui ont WhatsApp. Ok, ok. Et nous allons écrire sur email tout. C'est mon nom, France Lage, à commercial@gmail.com. Oui, d'accord. Docteur France Lage, c'est un plaisir que nous avons vraiment dans l'après-midi. Et dans l'émission Bien-être et Beauté. Ça qui est satisfaction, c'est que moi-même, senti que dans l'école comme tu es, que je pratique toutes sortes de choses là pour être capable de partager tout avec les gens qui sont à côté, pour être capable de protéger les yeux. Je souhaite que ce n'est pas le dernier fois venir dans l'émission. Non, moi, je souhaite ça également. Je profite en vraiment aller me voir un gros coup de chapeau pour tout le monde qui travaille avec le docteur à travers le pays, hein, n'est-ce pas, que ce soit le maire de Plaisance, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau de Gaumont, la mairesse et les. Et le Club Lyon, que ce soit au niveau de Gonaïve, n'est-ce pas, Dr. René Lick, Dr. Charles Bien-Aimé, n'est-ce pas, et également le Club Lyon et de Gonaïve, la présidente Rosemène, tout ça, le Club Lyon de Dessalines également, et les autorités également de Dessalines, qui travaillent avec nous également, sans oublier notre ville de Jacmel, n'est-ce pas, et je peux dire d'ailleurs de tous les coins, n'est-ce pas, du territoire, côté que nous travaillons, pour nous, côté que nous, au moins dans un petit secteur ça, n'est-ce pas, nous capables d'aider notre pays. Mais, émission arrivée dans fini, c'est présenter nos émissions, j'en nous dis, hein, son émission me rappeler nous sous fait brancher. Si c'est qu'on nous branche l'émission, on va bien reprise dans les passés chaque samedi 7h PM, chaque dimanche 2h PM, chaque mardi 8h AM. C'était avec nous Léonie Desroses, infirmière tricologiste, qui a dit nous, il remet nous en pile. À la prochaine. Cheveux ou cassé, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et Beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.